Salut Lustig, c'est Vanaxu et bienvenue dans l'impassionné de musique découvre, la série vidéo dans laquelle j'essaie de découvrir des artistes ou des morceaux que je ne connais pas, et ce majoritairement grâce à vos suggestions, donc un grand merci pour ça. Je rappelle les deux petites règles que je m'impose sur les vidéos, mais vous commencez à connaître la formule, on pose pas pendant les morceaux, enfin vraiment garder la track telle que l'artiste l'a voulu. Et on balaye tous les styles musicaux, c'est du jazz en passant par le hip-hop, le death metal, les trucs plus ou moins extrêmes. Donc n'hésitez pas à suggérer en commentaire des artistes auxquels vous voudriez que je réagisse. Aujourd'hui on répond à une des suggestions de Alkino. Il m'a suggéré plusieurs trucs et là j'ai tiré un peu au pif dans ce qu'il m'avait suggéré. C'est Good Kid avec Down With The King. Il me suggérait ça, qui est un groupe de rock indé qui donne la banane d'après lui. Donc je tourne cette vidéo un matin en espérant avoir un peu de pêche pour le reste de la journée. Donc on va faire ça ensemble. On va écouter Good Kid, morceau de 3 minutes, donc direct, on va droit au but, et puis je donne mon avis à la fin. Allez, c'est parti avec Good Kid, Down With The King. Direct le son du rock indé là. Le clip est cool. Un peu de disto, mais pas trop, tu vois, vraiment, t'as vraiment le son du rock indé. Et c'est cool. Ça donne vraiment, ouais, vraiment une vibe positive, quoi. Bien rythmé, hein. J'aime bien le tempo. Yes. Et petit cœur classique. Je sais pas, les chœurs comme ça fait un peu penser à du post-punk ou quelque chose comme ça. C'est cool en tout cas, merci pour la suggestion. Voilà, avec des gaines. Musicalement, c'est très bon aussi, hein. J'aime bien les backings comme ça. Terriblement efficace. Rythmé, hein. Ouais, je sais pas, on a la limite du post-punk un peu, hein. Ça, c'est très rythmé. Le clip est fou. Cool. Un morceau bien efficace, donc c'était Good Kid avec Down With The King. Énorme. C'était Good Kid avec Down With The King. À voir ce qu'ils font d'autres différents, enfin dans les autres morceaux, voir un peu s'ils ont des styles un peu différents. Mais j'aime beaucoup ce morceau, très énergique je veux dire, un tempo assez rapide, une construction musicale simple mais super efficace, ça envoie, c'est rythmé, les voix sont bien foutues, c'est du rock, ouais, alternatif, indépendant, mais à la limite du post-punk par moment, ça envoie vraiment le tempo rapide et les backings comme ça fait un peu punk rock, et donc, mais plutôt dans la vibe un peu post-punk, parce que c'est plutôt, on va dire, un popérisé un peu, on va dire. Mais en tout cas, c'est un super morceau, super bien construit. Moi, j'ai vraiment aimé, pour peu qu'on soit, on va dire, réceptif un peu à ce rock alternatif, au rock indé. C'est super bien foutu. Ce que j'aime bien, c'est que les grattes, elles sonnent relativement bien. En général, j'ai un peu de mal avec dans les rock indé quand il n'y a pas du tout de disto. Là, la gratte, elle sonne, elle a de la disto quand même, donc c'est cool. Un petit gain sympa sur la gratte. La prod, le mix est très très bon, donc j'ai rien à dire sur ça. Et le morceau, super bien construit, ça donne la banane,
ça envoie de l'énergie, c'est mais après c'est direct, tu vois, c'est poum, ça t'envoie directement. Et en tout cas pour une vidéo que je tourne un matin, vous verrez un soir, en tout cas ça donne bien la pêche. Et j'espère que ça vous la donnera également. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé le groupe ou pas, et le morceau en particulier. En tout cas ouais, curieux, j'irai écouter d'autres trucs. C'est vraiment un bon morceau. Et j'espère qu'ils sont toujours dans cette vibe un peu énergétique et tout ça. J'aime beaucoup ça. Et j'espère que vous aussi vous avez apprécié. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, les Gnostiques. Allez, ciao, des bisous.